Aujourd'hui, nous sommes avec une autre grande artiste. Sa carrière fait déjà tache d'huile dans la sphère du showbiz. Hilary, bonsoir. Pourquoi la musique? Karisha, bonsoir Isaac, bonsoir les rois du game. Pourquoi j'ai choisi la musique? La musique pour moi est une passion. La musique, c'était la chose qui adoucissait mon cœur, qui adoucissait mes pensées en fait, qui me permettait d'être vraiment relax. Voilà pourquoi j'ai choisi la musique. Quel est l'artiste international qui t'a le plus influencé? Je dirais pas quel est l'artiste international, mais je dirais plutôt quels sont les artistes internationaux, parce que je n'écoute pas seulement qu'une seule chanson, j'écoute plusieurs personnes et c'est plusieurs personnes qui m'ont influencé. Voilà. J'ai Singula. J'ai Charlotte Ponda. En Amérique, j'ai Rihanna. En France aussi, j'ai des artistes qui m'ont inspiré. Donc, voilà, à l'international, ils sont nombreux. Franchement, si je dois tout citer, on ne va pas quitter ici. Voilà. Je vais te poser une question qui revient à tous les numéros de la petite interview. Que pense ton ex de toi aujourd'hui? Mon ex, je pense qu'aujourd'hui, il est fier de moi. Il est fier de voir ce que je suis devenue. Enfin, si c'est pas un sorcier. Je pense qu'il est fier. Là, il faut lui demander lui-même. Hein. Je vais pas parler à sa place. Ouh, Jésus. Les rois du game. Dis-nous, quelle est la chanson que tu sais mieux danser? Ah non, ça c'est une question. Il y a, je suis très mal dangereuse dans chez les Bouka. Et puis dans Konami. Ça, ce sont mes danses, ça. Oh non, je maîtrise le truc. Les rois du game. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu? Je serais une lionne. Les rois du game. Petit exercice, hein. Dis Dieu merci dans une langue étrangère ou dans ta langue maternelle. Écoutez, je connais pas le truc de ma langue maternelle là. Je dirais thank you Lord, je dirais miam miam mo. Je ne suis pas animée. J'aime bien de la manière ils disent merci. Mo, miam miam mo. Voilà. Les rois du game. Hilary, nous sommes au terme de notre petite interview. Un mot de fin et un message à l'endroit des auditeurs de Fréquence 2 et au roi du game. À vous, très chers auditeurs de Fréquence 2 et au roi du game, bonne fête de Noël à vous et que Dieu vous garde. Je veux vous revoir dans l'an 2022 parce que j'ai encore de grosses surprises pour vous là-bas. So, je vous attends en 2022. Bisous, bisous, mes amours. Bisous, mes bimamours. Moi, j'appelle les personnes qui me suivent, mes bimamours. Donc, bisous, bisous, mes bimamours. Et puis, voilà. Passez une très belle fête de Noël. N'oubliez surtout pas de partager, de donner aux orphelins, de donner aux personnes qui ont besoin d'amour et d'affection. Bisous à vous. Mouah. C'est si beau, c'est vrai. Le temps si doux, tu sais. Beaucoup d'amour, de joie. Je sens l'atmosphère dégagée, c'est vrai. Les rois du game.